Si c'est parti. Et bonjour, j'ai toujours pas le chat, mais normalement tout marche. Quand je, quand je pars et que je reviens, en général tout marche. Donc like et partage, on va attaquer, comme Sarah nous l'avait demandé hier, ce fameux live sur vivre de ses investissements financiers. On va parler un petit peu du comportement de l'ami Warren. Donc euh, voilà. Avant, je vais récupérer malgré tout, ça sera pas mal. Je vais tâcher de récupérer, n'est-ce pas, le, 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 le chat. Hein ça sera toujours mieux de récupérer la chat. Euh, voilà. Je suis à l'heure, c'est 13 h Like et partage, si tu arrives. Je bois un peu. Bon, j'espère que tout le monde entend bien, par contre, parce que... Hein Je... Salut Wayne, salut à la famille, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu du sujet que Sarah nous avait euh, demandé. C'était euh, donc tout simplement en, en vivre de l'investissement financier. Il y a un live que j'ai fait où j'ai un peu parlé de ça. Et l'idée, c'est de parler un peu bah, de, des méthodes de Warren Buffett et de sa courbe. Tout le monde arrive, salut Jérémy, salut Benoît, salut Tommy, Cédric, Gabi. Bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, il est difficile à trouver, il paraît. Alors, peut-être qu'il y a eu des nouvelles rééditions. Euh, moi, j'en suis très content de ce bouquin. Alors, ben, vous le voyez, hein, je suis coupable. J'ai commencé d'autres, celui-là, je ne l'ai jamais fini, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il est gros. <laughs> Euh, donc euh, voilà, et euh, en gros, bon, alors Warren, je ne vais pas vous faire, euh, tout le monde le connaît. Le concept de Warren, le fait, c'est en fait d'acheter des sociétés euh, qu'il conserve et dont il essaye d'avoir, de trouver dans la société, on va dire, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas vu, une valeur cachée. Euh, euh, en tout cas, il s'intéresse à des entreprises qui ont un réel concept. Alors, il a une théorie qu'il développe qu'il appelle la théorie du château. Donc, il part du principe que dans des, dans des grandes sociétés comme Coca-Cola, par exemple, le château, c'est la recette du Coca. Et que, en fait, euh, si tu achètes une entreprise qui a un château qui est fort, donc, comme la recette du Coca qui est très forte et qui a un goût très singulier, eh bien, tu risques pas grand-chose d'investir dans l'entreprise, puisque finalement, toujours copier, mais jamais égaler. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière les investissements de Buffett. Donc, après, bon, bien évidemment, ça reste de la. Ça reste sa théorie à lui. Je dis, moi, je pense qu'elle est vraie, mais tu n'es pas obligé de penser qu'elle est, qu'elle est réelle. Euh, et il achète comme ça des entreprises. Donc, les entreprises phares dont il possède pas mal de parts, ben Coca-Cola, euh, American Express. Euh, il adore les les sociétés euh, de, il adore les sociétés d'assurance parce qu'il trouve que le portefeuille d'assurance est une rentabilité assurée. Il a plusieurs entreprises et puis il a eu des gros échecs, dont le nom de sa boîte, comme disait Sarah la dernière fois. Salut Sarah, qui nous a rejoint. Tu es à l'origine de cette émission, n'est-ce pas euh, Dans le nom de sa boîte, Berkshire Hathaway, qui est en fait, alors vous me corrigerez si je me trompe, mais si, normalement j'ai bonne mémoire là-dessus. En fait, il a euh, c'était une entreprise qui était dans le textile, ça s'est mal passé. Il a reconverti la société en fonds d'investissement, enfin, plus ou moins comme ça, qui en fait est une holding qui détient d'autres sociétés maintenant. Et euh, ça a été une mauvaise expérience pour lui. Il a compris que en fait les êtres humains restaient au centre des sociétés. Donc il, est, il se déplace, il va au conseil d'administration. Chose que je ne fais pas, je plaide coupable, puisque je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu calqué le modèle de ma société sur le modèle de sa société. Je dis ça très humblement parce que je ne suis pas à son niveau, et ça s'explique parce que j'ai mis toute mon énergie dans l'immobilier. Je mets zéro énergie dans cette entreprise financière que j'ai qui me rapporte de l'argent pourtant et qui, d'ailleurs, je vais être tout à fait honnête avec vous, me rapporte de l'argent sans rien faire. C'est-à-dire que c'est marrant comme euh, l'être humain est parfois complètement illogique parce que, euh, je l'avoue, je ne hein, vais pas m'en cacher, quand j'ai commencé cette aventure immobilière, je l'ai fait dans l'espoir de ne pas forcément avoir besoin de beaucoup travailler. Or, je me suis jeté à corps perdu dans l'activité des deux que j'ai développé qui me demandent le plus d'énergie, alors que j'ai dans... J'ai comme corde à mon arc une entreprise qui me demande zéro effort et qui pourtant produit de l'argent. Et ne me demandait pas pourquoi. Donc voilà. Alors il y a une chose que je vais vous raconter, que pour ceux qui ne l'ont pas lu, désolé, je vais un peu vous, vous, vous raconter un peu le début du livre, mais j'ai quand même envie de vous raconter. Il faut savoir que Buffett, au tout début de sa carrière, a quand même acheté une ferme et qu'il a gagné de l'argent en la revendant. Et il l'a acheté. Alors si je ne dis pas de bêtises, il était mineur. C'est très marrant parce que dans ses conférences, quand il a, il a fait quelques conférences, il a donné des cours. Euh, il fait partie de ces gens qui, un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit Monsieur Buffett, euh, vous, vous investissez. Alors, je ne sais pas si c'est à Buffett ou à comment il s'appelle, à Peter Lynch, c'est aussi un gérant de fonds, un gros gérant de fonds. Bref, c'est une de ces deux, ces deux personnes, Lynch ou Buffett, que quelqu'un a demandé dans la salle un jour Oui, euh, vous investissez pas dans l'immobilier, pourquoi Question qui peut nous intéresser, les gars, accessoirement. Et Buffett a répondu, ou, ou Lynch, peu importe, un des deux a dit Mais si, j'investis dans l'immobilier. Moi, j'ai toujours adoré cette remarque et il a dit euh, en fait, quand tu achètes des actions en bourse, tu achètes aussi ce qu'elle possède. C'est pour ça que vous m'entendez toujours le dire. Et euh, donc, elle possède aussi de l'immobilier, bien sûr. Donc voilà. Gaby me dit, j'aimerais que tu parles de l'investissement dans la valeur, etc. Je ne sais pas de quoi tu veux un peu de stratégie. Dans la valeur, il faut que tu me développes un peu dans la valeur, etc. Dans la valeur, on a dit qu'on parlait de finance aujourd'hui, Gaby. Ne me sort pas des euh, trucs immobiliers. Hein, soit Sois euh, studieux, ne sois pas comme moi, ne bah, pars pas dans tous les sens. Donc, on va parler des valeurs financières. Je vais t'en parler un petit peu. Il y a Tom, Tommy qui nous dit Tom, qui nous dit, <laughs> j'ai mis trois mois à le lire, il est trop long. Bah, écoute, moi, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à le lire, mais tu vois, je, il y a eu un moment donné où il y a eu une faiblesse de ma part. Je me suis arrêté aux images, d'ailleurs. Regarde, quand tu ouvres le marque-page, on est au passage des images. Ça m'a coupé dans ma lecture. Euh, je vais vous parler de la valeur. Du coup, je vais rebondir un peu sur ce que dit Gabi. Effectivement, quoi que tu achètes. Salut Quentin. Quentin nous a rejoint sur Instagram. Quand tu euh, effectivement euh, achètes, quoi que tu achètes d'ailleurs. Mais on va parler de euh, de finance aujourd'hui. Quand tu achètes de la finance, il faut que tu regardes la valorisation de la boîte. Il y a plein de choses à regarder quand on achète une société. Euh, moi déjà, je vais commencer par le début. C'est quelque chose que je soutiens, mais alors vraiment à 1000%. Euh, acheter des choses que vous comprenez. Euh, la dernière fois, j'expliquais je, ça à un membre de ma famille, je lui disais, tu ne vas pas acheter une entreprise quand tu ne comprends pas son modèle économique. Le meilleur exemple pour ça, pour moi, c'est Uber. Il y a des gens aujourd'hui, Uber, ça va fasciner énormément de monde, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas le réel modèle économique de Uber. Et si tu n'en comprends pas le fonctionnement, par exemple, tu vois, tu vas demander à une personne tout simplement, tu vas lui dire comment sont payés les chauffeurs Uber. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement même de ça, ça paraît aberrant mais c'est la réalité. Et si tu ne comprends pas déjà les bases du modèle, ça ne sert à rien de te lancer dans une entreprise sur laquelle tu n'en comprends pas les tenants et aboutissants. Il vaut mieux que tu ailles sur des sociétés dont tu comprends le fonctionnement. Mon meilleur exemple, c'est tout ce qui va être fournisseur d'énergie, eau, électricité, etc. Tout le monde consomme ce genre de fournisseurs, ce que les Américains appellent des blue chips, parce que du coup, on est un peu obligé de passer par eux. Donc, c'est des valorisations qui sont faciles à comprendre pour le commun des mortels. Mais pour autant, il te faut déjà à la base comprendre ce que tu achètes comme entreprise. Attention, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter des actions de fournisseurs d'électricité, surtout que ce ne serait pas forcément le meilleur des conseils, parce que, par exemple, tu as des sociétés qui vont avoir, euh, comment je vais dire ça qui vont être mal gérés en interne et ça c'est la deuxième le, le pendant de ce que je suis en train de te dire comprendre c'est une chose euh, analyser et interpréter les choix de gestion d'une entreprise c'est la deuxième partie de la même pièce l'un ne va pas sans l'autre il ne faut absolument pas que tu achètes une entreprise dont tu comprends bien évidemment le fonctionnement mais si par exemple tu n'as aucune idée de, ni de la stratégie d'entreprise ou pire tu es pas d'accord avec ce que fait la société quand l'État oblige EDF à racheter Areva et que tu rachètes une créance douteuse, euh, si tu es dans le bateau, ça tangue un peu, tu vois, ce n'est pas le bon moment. C'est le moment de rentrer, ce n'est pas le moment d'y être, tu vois, un peu la nuance. Donc, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, euh, par-dessus tout ce que je viens de dire, il y a un dernier point qui pour moi est essentiel, c'est l'avis aussi de la personne qui achète. C'est-à-dire que si, par exemple, tu crois que, je te dis une connerie, tu crois que telle entreprise, dans les années qui arrivent, va... Euh, connaître un essor. Bah, tiens, on va, on va rester dans les fournisseurs d'énergie par rapport à l'arrivée de la voiture électrique. C'est possible. Hein Il y en a qui, moi, je parle avec des gens qui me disent non, la voiture électrique, Nicolas, ça ne marchera jamais. Ça sera la voiture à hydrogène ou je sais pas quoi, euh, le moteur Sterling. Euh, J'en sais rien, des trucs qui marchent, qui marchent, mais qui sont pas pour l'instant euh, commercialisés. Bref, peu importe. Euh, en tout cas, euh, si tu crois que c'est l'électricité qui va supplanter le système pétrolier, eh bien, ça, c'est cohérent de mettre de l'argent là-dedans. Tu achètes donc la manière de fonctionner de l'entreprise, les choix de l'entreprise. Tu achètes ces deux choses là, mais par dessus tout ça, tu achètes aussi ce en quoi tu crois. Donc je sais, bon, je pense que Gaby euh, voulait pas forcément que je parle de ça. Mais moi, je vais parler de ça aujourd'hui sur de la sur de la, la valorisation financière. Pour moi, aujourd'hui, quand tu investis en bourse, tu investis dans des entreprises et tu dois comprendre ce que tu achètes, c'est tout bête, mais c'est la base. Alors après, il y a plein de manières d'investir. Tu as tout ce qu'ils font, là, les analyses fondamentales, les analyses graphiques, etc. Euh, tu as le day trading, la détention des titres pendant longtemps. Euh, il y a une stratégie qui est très connue, que je pense que vous devez entendre partout. Euh, ce n'est pas une stratégie, c'est une théorie. Ou si pendant 10 ans, tu investis de l'argent fixement tous les mois sur une action, enfin sur plusieurs actions, toujours les mêmes, et de manière stable, sur 10 ans, tu es sûr de gagner parce qu'on a remarqué qu'avec les cycles économiques, les montées, les descentes, etc., sur une dizaine d'années, tu vas réussir à obtenir un, une croissance fixe là-dedans. Maintenant, il y a quand même des bémols à mettre sur ce genre de stratégie parce que, euh, il y a quand même des aléas de marché, il y a quand même une valorisation comme on retrouve dans l'immobilier et euh, c'est com plus complexe que ça. Je pense qu'il faut faire une veille de marché, avoir une notion des prix. Qu'est-ce qu'un prix haut pour une action Moi, déjà, ce que je peux vous donner comme conseil, ça, c'est un conseil qui est valable pour tout le monde c'est de ne pas se concentrer sur euh, 1000 actions. Concentrez vous sur une dizaine d'actions dont vous allez avoir un historique de prix. Alors Moi, je l'ai fait pendant une longue période. J'ai arrêté de le faire en ce moment parce que je suis très pris par mes, mes opérations immobilières, etc. Là, vous voyez, par exemple, j'aurais eu plein de choses. Si j'avais fait une émission immobilière aujourd'hui, j'aurais plein de choses à vous raconter parce que depuis hier, je montre un très gros dossier et c'est vrai que du coup, j'ai eu des, 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 des coups de remember dans la tête qui sont intéressants. Mais ce qu'il qu faut que vous gardiez en tête dans tout ça, c'est que vous pouvez pas Déjà, on ne peut pas faire 100 choses à la fois, ça c'est une chose évidente, et vous ne pouvez pas suivre euh, des centaines d'actions. Limitez-vous, pour moi même 10, je ne veux pas dire que c'est trop, 10 c'est bien pour une perspective de développement sur du très long terme, mais concentrez-vous sur un faible nombre d'actions. Moi, il y en a euh, 3 que j'ai dans le giron actuellement et qui m'intéressent grandement et sur lesquelles je vais avoir un vrai suivi. Donc euh, voilà. Salut Dups 10 Millions qui nous a rejoints. Sarah nous demande, demande à Gabi aussi si euh, tu parles de la valeur des stocks ou d'autres choses. Gabi, si tu nous entends. Je vais vous parler d'un truc aussi sur, sur, sur ces sujets financiers. C'est aussi pour ça que je veux parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet intéressant. On voit de plus en plus de gens qui se lancent dans euh, le conseil boursier, qui se lancent dans euh, le conseil financier, dans le conseil immobilier, etc. Et. Euh, Là, je suis une personne là qui se lance aussi là-dedans. Enfin, je pense de manière anecdotique. Et euh, son, son approche m'a vachement intéressé parce que euh, il n'a pas, pas approché ça dans, sous l'angle "je vais vivre de ça", machin, etc. Il a juste simplement dit voilà, je vais juste vous transmettre ce que moi j'ai appris, en toute modestie. Je trouvais ça intéressant déjà de l'aborder sous cet angle-là parce que je pense effectivement que c'est un angle intéressant. Euh, par contre, est-ce que alors première chose. Est-ce que tout est sur Internet C'est une question que je me suis posée en lisant ça. Je me suis dit, le mec, s'est formé sur le web. Après, à mon avis, il est allé prendre quelques informations sur des bouquins à gauche et à droite, et il a fait un condensé de tout ça et il le repropose derrière. Est-ce que ça signifie que tout est accessible Moi, je vais faire la parallèle avec l'immobilier. Je pense que non. Je pense que vous allez avoir accès à une ensemble d'informations. Tiens, je vais regarder un truc en parallèle, pendant que je parle avec vous, vous, avez, vous allez avoir accès à un ensemble d'informations qui sont euh, possibles, possiblement euh, trouvables sur Internet. Mais je pense qu'il y a des informations issues de l'expérience, des informations issues euh, d'observations et de déductions faites par des individus isolés comme moi et d'autres, que vous aurez du mal à trouver, ou alors, si vous êtes en contact avec la personne, que vous arriverez à récupérer ou pas. Euh, je suis en train de regarder, je tape des informations en même temps que je vous parle, pour voir si on peut tout trouver sur Internet. L'idée, c'est que ce que j'essaie de vous dire, je ne cherche pas à vous dire de vous, de vous former, ce n'est pas le propos de cette émission aujourd'hui. Euh, je, trouve, je trouve intéressant, intéressant qu'en en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui, soient, qui sont capables de, de retranscrire des informations qu'elles vont avoir récupérées au profit d'autres personnes qui, elles, ne vont pas avoir envie de faire ce travail-là. Vous allez comprendre où je à venir. Est-ce que ces informations sont pertinentes et est-ce qu'elles amènent, quelque... est qu amènent à un résultat pour la personne qui va les consommer Je me suis posé la question parce que au final, quand tu prends la cotation boursière, la valorisation, etc., tu peux tout trouver en ligne en fait. En quoi, par exemple, mon retour d'expérience a un intérêt pour vous un petit peu la question sous-jacente à tout ça. Donc là, je suis en train de regarder, tu vois, je trouve quand même quelques infos, tu vois, sur des trucs que je pensais même pas trouver sur Internet. Là, je suis plus sur de l'immobilier. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement tu trouves quand même pas mal de choses sur le web. Donc tu trouves les choses. Maintenant, le web est devenu tellement grand que euh, tu vas pas, à mon avis, il faut savoir quoi chercher. Donc, est-ce que une personne qui va ingérer de l'information et la recrache, elle a une valeur pour vous Moi, je pense que oui, dans la mesure où cette personne, elle va, euh, elle va vous faciliter la vie derrière pour arriver à, à, au résultat que vous convoitez. Gabi nous a répondu la valeur de l'action. Euh, tu veux des avis sur la valeur de l'action. Alors, je, je sais ce que tu veux, Gabi. Ça y est, je vais de me connecter. On, va, on passe directement à ça. Ça sera plus intéressant. Alors, les actions, les valeurs de l'action. Alors déjà, euh, je vais vous donner mon avis, mon avis personnel. C'est pas un avis que je vais vous donner. Je vais vous donner un sentiment. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la valeur boursière, elle est soumise à plusieurs aléas. Il y a la valeur. Alors, il y a un, la valeur réelle d'une action, c'est-à-dire qu'une action, elle a ce qu'elle vaut réellement. Donc, euh, je vais te dire une connerie. Euh, je vais te dire une connerie. Apprendre ce stylo, on va dire que ce stylo, de manière commune, tout le monde s'entendrait pour le payer 3 euros. Ça, c'est la valeur réelle du stylo. C'est le prix qu'on est prêt à payer. Après, ce stylo, par un effet de différents éléments, malgré sa valeur réelle, sa valeur peut fluctuer. Et c'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi. Vous devez savoir, et ça c'est une compétence que vous devez développer, et cette compétence elle est commune à l'immobilier, elle est commune dans plein de choses, vous devez être capable d'évaluer la valeur réelle des choses et de savoir pourquoi la valeur fluctue. Donc un, pourquoi la valeur fluctue, si cette fluctuation elle est réelle et tangible, ou si elle est due à un phénomène extérieur qui n'est pas, euh, qui pas euh, bâti sur quelque chose de concret. Alors je vais essayer de m'exprimer différemment pour qu'on soit bien clair. Vous ne pouvez pas, vous devez faire la distinction entre une, une valeur qui monte par rapport à un marché et par exemple par rapport à une rumeur, c'est un très bon exemple, tu as des rumeurs qui peuvent faire monter ou baisser une action. Si c'est une rumeur qui influe une action, c'est à toi de le savoir et d'en tirer parti. Parce que si par exemple c'est une rumeur, c'est le meilleur des exemples, si c'est une rumeur qui va doper la valeur d'une action et que pourtant tu es propriétaire de ces actions, tu sais très bien qu'à un moment donné ou à un autre, ça va retomber. Ça vaut le coup de vendre alors que la rumeur pousse la valeur de l'action au plus haut tu en tires le maximum que tu penses être le maximum tout en sachant que la bourse reste le temple des regrets donc ça peut être le maximum estimé pour toi mais pas le maximum auquel on, on va atteindre bref tu m'as compris ça vaut le coup donc par rapport à cette rumeur de vendre au prix le plus cher et de racheter quand ça va retomber parce que si c'est une rumeur ça tient sur rien et donc le prix va monter mais va aussi retomber à un moment donné ou à un autre et comme tu le sais tu vas en tirer parti. Alors maintenant, comment tu fais pour savoir le prix réel d'une action? Alors déjà, le premier point, c'est de ne pas tomber dans le délit d'initié. Ça veut dire quoi? Pas tomber dans le délit d'initié. Ça veut dire que tu ne vas pas aller chercher. Il faut que tu aies de l'information pour ça. C'est intéressant. Donc l'information, tu peux aller la chercher sur Internet. Ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Tu peux tout trouver sur Internet. Il faut savoir ce que tu cherches. Tu vas chercher de l'information pour valoriser la société. Moi, je les valorise de différentes façons. Ça, tu le retrouves dans le programme. Il y a plein de façons de valoriser une société, c'est une vraie compétence. Euh, moi, je vais vous dire que l'idéal pour des mecs comme nous, c'est quelque chose que vous allez comprendre, c'est de valoriser une boîte par rapport à son immobilier. Si tu sais qu'une entreprise, elle possède des immeubles, tu valorises la part par rapport à la possession immobilière de l'entreprise. Alors, c'est une ineptie parce que tu as la, la, la valorisation immobilière, la valorisation du stock, la valorisation humaine la valorisation donc du coup des compétences qui est liée à lui-même et tu m'as compris. Bref, il y a plein de valorisation d'une entreprise mais si déjà tu arrives à en tirer une valorisation immobilière et à estimer par-dessus le reste. Bon ben voilà, tu arrives toi-même avec tes moyens à évaluer la valeur réelle d'une entreprise. Moi en tout cas, c'est quelque chose que je fais. Moi j'analyse les entreprises et quand j'achète des actions, j'achète ces sociétés en fonction de la valeur que moi j'en ai estimé. Ce qui fait que du coup, c'est intéressant ce que je vais dire je pense pour vous. J'ai peut-être moins de regrets que certaines personnes dans, dans l'investissement boursier parce que, finalité, je sais ce que j'ai payé le truc. Je, pour moi, je me dis, ça vaut ça. Et s'il y a un problème, j'estime que je serais payé ce prix-là. Alors, ça dépend du problème parce que si ça fait comme un drone, je ne serais pas payé ce prix-là. On est d'accord. Mais vous m'avez compris. Dans l'idée, moi, je me dis que je serais payé ce prix-là, en tout cas, à minima. Donc, voilà. Salut Greg. Dupes nous dit, c'est surtout qu'à force sur Internet, tout commence à se décrédibiliser, que ce soit en IMO ou en bourse. Exemple, la guerre vaudan cabage encore hier. De plus en plus de déchets sur le web. Alors, tu sais quoi, j'avais vu ce, cette altercation et euh, ça m'avait. Euh, ouais, j'avais trouvé, euh, trouvé ça très dommage. Voilà. Très dommage parce que, euh, parce que après, euh, euh, pour réagir à ça, et notamment en bourse, tu peux pas. Disons que c'est compliqué la bourse parce que c'est un, un sujet intéressant. Tu, on, va, on va reparler de Buffett d'ailleurs. Le cas Buffett en est le cas typique, c'est-à-dire que Buffett pendant très longtemps, en réalité, euh, si tu, tu prends un truc comme ça, comme je vous le dis, je vous l'avais dit la dernière fois, sa courbe de richesse elle fait ça en fait, elle remonte, en fait pas tout fait ça, elle fait ça pendant longtemps et donc ouf, je suis pas Monsieur Météo moi. <laughs> elle fait ça pendant longtemps. Et d'un coup, ça remonte comme ça là, ça remonte d'un coup. Il devient riche, très très riche d'un coup. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec les mécanismes financiers, c'est ça, c'est qu'en fait, tu es soumis à des aléas qui ne sont pas, qui ne sont pas prédictibles, qui ne sont pas maîtrisables, et qui sont parfois euh, tellement, euh, c'est tellement puissant en fait que ça en devient que tu te dis non, mais c'est du, c'est c'est du, la personne ment en fait. Il y, y a une arnaque. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, j'avais raconté cette histoire dans une vidéo que j'ai supprimée. Euh, j'avais raconté une histoire d'un un, un marchand qui avait fait un coup, mais d'anthologie sur une vente en enveloppe. Il avait récupéré un bien. Euh, ceux qui me suivent depuis le départ doivent, doivent se rappeler de cette vidéo. Gabi, je fais appel à ta mémoire. Et il avait fait euh, un coup, mais d'anthologie, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel tu basais une stratégie. Là, je voulais, j'aurais voulu franchement, mais je vous montrerai demain. Je vais en garder un de dossier. Je vais vous montrer. Hier, ma mère, elle a, ce matin, ma mère, elle est arrivée, elle a rigolé. Je vais vous montrer la stratégie que je suis en train de mettre en place en immobilier. 100 pages, les gars. 100 pages de stratégie immobilière. Le truc, c'est un petit bouquin. Ma mère, m'a dit, c'est un truc de ouf ce qu'on ce qu est en train de faire. C'est un petit livre. Et, euh, et je dois le poser tout à l'heure à la banque. J'y vais tout à l'heure. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous quitterai un peu avant, avant 14h parce que je voudrais arriver pas trop tard parce qu'après, elle a des rendez-vous, tu vois. Euh, donc, 100 pages de stratégie immobilière. Mais j'ai basé ma stratégie sur quelque chose de prédictible. La guerre dont tu fais état d'UPS elle est basée sur quoi Sur un, un étudiant d'un des, euh, des deux protagonistes qui a eu un résultat exponentiel imprédictible. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'après, bien évidemment, c'est le jeu auquel on joue. Moi, je ne mets pas vraiment en avant les gens qui travaillent avec moi, mais je pourrais vous dire voilà, faire venir un mec qui parle des résultats qu'il a eu avec mes programmes et puis vous vous direz what the fuck, j'ai envie d'avoir les mêmes. Euh, je ne le fais pas. Voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. C'est sûrement une erreur de ma part. D'ailleurs, je vous avais demandé la dernière fois, les gars, euh, Gabi, témoignage vidéo. Envoie-le moi là. Il faut que j'en je ai besoin en plus. Mais il faudrait que je le fasse parce que je sais qu'il y a des résultats avec les programmes et je sais ça m'est arrivé. Euh, voilà, je vais pas donner. Je suis pas là pour donner des noms. On s'en fout. Il y en a un qui a, qui a fait d'ailleurs. Qui a pris le programme Diviser, acheter, revendre. Dans le programme, je vous parle de différentes stratégies, dont une où je vous dis ne faites pas ça dès le départ, c'est trop dangereux, c'est trop compliqué, etc. Blablabla. Bla, Faites-le quand vous avez de l'argent. Le mec m'a pas écouté, il a fait ça, il a des résultats de ouf aujourd'hui. Donc, il faut comprendre quoi. On revient à fina la finance, la différence avec la finance de l'immobilier, c'est juste ça. C'est que les résultats peuvent être juste fous. Et donc, du coup, ce côté non maîtrisable, il est très agréable pour la personne qui s'enrichit. Mais par contre, les mecs, soyez réalistes, en finance, vous pouvez. Fin, c'est compliqué si on n'a pas d'argent de baser une stratégie là-dessus. Ça reste mon avis. Maintenant, il y a aussi la théorie opposée, en sachant que ça peut t'arriver, en sachant que grâce à la finance, tu peux avoir ce résultat. Ça peut valoir le coup de miser tapis parce que finalement, tu vas miser tapis plusieurs fois. C'est obligé un moment donné ça t'arrive. Et on est sur un système, je le rappelle quand même, sur la finance, où euh, tu vas prendre une, au bon moment le train en marche. Bah, tu peux multiplier par des montants qui sont délirants, en fait. Délirants. Donc, c'est après de la pétence de chacun à gérer. Moi, ce n'est pas mon profil. Moi, je suis un gars qui aime bien reproduire. Moi, j'aime bien trouver un schéma, un mécanisme. Je l'intègre. J'en fais un petit bouquin de 100 pages. Je vais voir la banque. Et la banque, elle me dit, oui, on est parti et on y va. Là, je suis en pleine dedans. Donc, je vous raconterai la suite de l'aventure quand je ferai des, des lives immobiliers. Mais c'est vrai que la finance, elle apporte ce truc qui, qui franchement, moi, je vous le dis, les mecs. C'est hyper agréable. D'ailleurs, euh, écoutez le podcast sur euh, le podcast, le titre du podcast, je vous le donne tout de suite. C'est euh, le profil d'un millionnaire. Euh, attendez, je vais vous le dire direct. Je l'ai là. Euh, attendez, je vous donne le titre du podcast. Vous allez l'écouter. Il est hyper intéressant, le podcast, parce que j'explique une chose dedans qui est très intéressante, je trouve. Euh, attendez une seconde, j'y arrive. Mmh. À quoi ressemble un millionnaire français Je crois que c'est dans celui-là. Je pense que c'est dans celui-là. Et dans cette émission, en fait, j'explique une chose qui était, que, que j'avais conscience sans avoir conscience. La différence entre les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont des très gros revenus et les gens qui ont des plus petits revenus, elle se situe sur un point. Un point. C'est leur, leur, leur présence sur les marchés financiers. On constate que pour toutes les personnes qui ont plus de 80 000 euros de revenus, ces personnes-là ont des placements financiers, bourse, ce que tu veux, ok Et en fait, si tu veux, toi qui m'écoutes, tu gagnes 1000 balles par mois. Comme moi à mes départs, es fauché et tu gagnes pas de thunes. Alors bon, il faut que tu trouves un moyen pour gagner de l'argent. Ça, on va mettre ça de côté. Mais c'est vachement facile. Si tu veux avoir ce que la minorité possède, fais ce que la minorité fait. Tu sais qu'aujourd'hui, les gros revenus peuvent, pourquoi ils font ça Pourquoi les gros revenus peuvent mettre, mettre de l'argent sur les marchés financiers C'est très facile à comprendre parce qu'ils ont un excédent dont ils n'ont pas besoin. Ils mettent l'argent sur les marchés financiers et qu'est-ce qui se passe Ils bénéficient de la hausse comme de la baisse. Ils jouent à un jeu, mais s'il y a une hausse, ils en bénéficient. Et toi qui n'y es pas, tu n'en bénéficies pas. Donc, change ça, change ça. C'est facile à comprendre. Maintenant, je ne suis pas la personne qui va te dire… Enfin, non, je suis la personne qui va te dire fais une chose. Tu commences par faire une chose et après, tu en feras une deuxième. Moi, si tu veux, j'ai fait cette société comme Warren Buffett, de, 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 j'ai fait cette société financière à un moment donné où elle était opportune dans ma vie, opportune, je ne sais pas comment il faut dire, mais bref, tu me corrigeras si je me trompe. Aujourd'hui, je vais m'y remettre parce que je vois le potentiel et que ça me rend fou de pas en tirer parti. Mais franchement, je vais te dire la vérité dans le dossier de 100 pages, à la fin, on mettait les postes, tu vois. Et là, je suis en train de redéléguer différemment mes, mes, mes postes. Et c'est vrai que quand tu, comme moi, tu fais trop de trucs, il faut éliminer des choses. Tu ne peux pas tout faire. C'est comme ça. Hop, la lumière. Donc voilà. Donc les marchés financiers, les mecs, vous devez y être. Même si tu fais de l'immobilier, tu dois y aller. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. La, le comportement de Warren, pour moi, c'est le bon comportement. Achète une entreprise que, aimes, que tu aimes, que tu te fous, qu'il y ait une crise ou pas, que tu vas garder et avec laquelle tu vas construire une relation. C'est mon avis, mon avis. Une petite remarque, depuis les subprimes, Buffett fait moins bien que le SP500. Il a l'analyse fondamentale pure, perd du terrain par rapport à l'analyse technique. Buffett a plusieurs centaines d'analystes. Difficile à répliquer pour des particuliers. Je suis d'accord avec toi, Sarah très difficile à, 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 à dupliquer parce que déjà euh, le, la problématique aujourd'hui aussi c'est que le marché euh, est en train d'évoluer différemment il y a des nouveaux acteurs qui rentrent en ligne de jeu et dans en ligne de compte pardon Buffett faut savoir une chose aussi sur Warren c'est qu'il n'investit pas dans les nouvelles technologies ce qui aujourd'hui quand tu prends moi j'en parle tout le temps je veux dire bon, mon téléphone il est là je peux pas vous le montrer mais même là je, je suis sur un Mac au lieu d'acheter un Mac tu aurais acheté, euh, avant la sortie de l'iPhone, avec l'argent du Mac, tu aurais acheté des actions Apple. Euh, bon, voilà, on aurait une autre discussion tous les deux. Mais ça, Warren n'a jamais mis un sou là-dedans. Donc, il y, y a toute une modification du marché. Warren est un, est un, et reste un, comment dirais-je, ça reste, euh, comment, euh, j'ai pas, pas envie d'employer ce terme, mais ça reste une exception, un spécimen du passé. Moi, je pense que tout est reproductif dans la vie. Ce qu'un homme a fait, un autre peut le faire. Mais il a été, euh, il a été malin. Et puis, je ne sais pas si tu as lu Sarah, sa biographie, c'est vachement intéressant. Il a connu des difficultés et il a été capable de prendre des décisions. Euh, what the fuck, quoi. Il faut, faut vraiment voir. Euh, les mecs. Euh, hein moi, dans pas longtemps, je pense que vous allez voir un peu. Euh, moi, je, vais, je, je pense que ça se verra. Hein, de toute façon, à un moment donné, quand les choses vont se mettre en place, me concernant, vous verrez euh, les, les trucs. Mais. Quand vous voyez le, le voilà, quand vous voyez le montage de Warren, c'est 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 c'était voilà, un furieux le mec quoi. Il avait pas il avait pas froid aux yeux puis, puis il n'avait pas froid aux yeux puis c'est un mec qui, qui allait au charbon. Je crois pas dans l'investissement et là je vais parler de manière générale. Je pense pas que tu sois qu'un investisseur euh, fasse les choses. Enfin on, on a pour moi les investisseurs qui réussissent on a tous le même profil. Je vais vous parler d'une histoire qui m'a qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission sur Robert Louis Dreyfus. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier, mais depuis hier, il y a la dernière sur la trilogie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un abonné qui m'a envoyé une photo. Le tapis est relaxé. <laughs> eh, J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas mieux fait. Quoi. <laughs> depuis aujourd'hui, ben bref. Euh, sur RLD, Robert Louis Dreyfus, dans l'émission, je dis une chose, il, 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 euh, il prenait les décisions difficiles à prendre. Ben les gars, je vais vous dire un truc, si vous êtes investisseur, si vous voulez avoir des résultats comme Buffett, comme Robert Louis Dreyfus, les mecs, moi aujourd'hui, j'ai passé un coup de téléphone qui était très difficile pour moi, pour l'entrepreneur que j'ai eu au téléphone, ça s'est pas bien passé, moi je m'en fous, moi je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit attendez, je ne vais pas tout vous raconter, ça serait une longue histoire, et puis je lui ai dit que je ne parlais pas d'immobilier aujourd'hui, mais voilà, je lui ai expliqué qu'en gros, euh, moi, la, la situation, elle était dans, un, dans, dans, cette, dans cette situation au départ, à l'arrivée, la situation, elle, elle est modifiée, c'est lui qui est passé sur le chantier en dernier, il y a des assurances, soit il règle le problème, soit ce pas mon problème. Et il n'a pas du tout aimé ni ma manière de lui parler, ni la façon dont ça s'est passé. Mais je l'ai arrêté à chaque fois. Je lui dis mais il n'y a pas de discussion. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et il y a des moments difficiles dans la vie. Et tu dois prendre des, des décisions difficiles, comme par exemple, tu vas acheter. Moi j'ai déjà acheté des parts de société que j'ai dû revendre à perte, que j'ai dû revendre à perte. Et crois-moi, perdre de l'argent, c'est pas un truc qui est inscrit dans mes gènes. J'ai du mal avec ça. Mais ça m'arrive. Et j'ai perdu de l'argent dans ma vie. J'en reperdrai encore. Mais à des moments, tu prends tes pertes tu te la fermes et tu vas voir tu reprends le chemin du travail et tu recommences pour justement absorber tes pertes là tu es obligé de passer par des phases de haut des phases de bas et je crois que effectivement Sarah tu as raison pour un particulier c'est très difficile à reproduire et je pense qu'aujourd'hui euh, personne va se hasarder dans la voie de Warren et je vais vous dire un truc complètement débile mais c'est ce que je pense profondément c'est pour ça qu'il faut le faire c'est parce que vous savez qu'il y aura tellement peu de gens qui vont faire ça parce que ça paraît impossible que le peu qui vont se lancer là dedans ont de grandes chances d'y arriver parce que moins il y a de gens plus il y a de chances plus il y a de chances plus si tu es le seul à le faire ma foi au bout d'un moment ça va forcément marcher donc je te donne mon sentiment après il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de jeu sans risque il n'y a pas de jeu financier sans risque en face les marchés financiers, pour moi, ça reste une opportunité. Il faut pas faire n'importe quoi. Comme disait Gaby tout à l'heure, il m'a dit, parle un peu de la valorisation. C'est la compétence essentielle. Et je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, en immobilier, si je vais passer à un cran vraiment supérieur, ce que je crois vraiment qui va m'arriver dans les quelques années, parce que je pense que je tiens, la... en ayant même tapé mon, mon, mon petit, euh, ma petite stratégie sur 100 pages, là, je peux t'assurer que je sais que je tiens quelque chose de vraiment exceptionnel. Si je passe vraiment à l'étape supérieure comme je le pense... Ça sera parce que je me suis acharné comme un cochon sur la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et crois-moi, j'aurais connu des mauvais moments et plus de mauvais moments que de bons à l'heure actuelle. Mais je pense que tout ça m'aura conduit à déboucher à ce que je suis en train de faire là. Et, et c'est à ça que tu joues en fait. Tu joues à te lancer dans un chemin financier difficile pour un résultat incertain, mais où il n'y a pas beaucoup de monde, peu d'élus et où finalement, si tu es seul à l'arrivée, bah, tu es, es sûr d'être seul à passer. Je vais te raconter un truc dans le sport qui m'est arrivé, euh, qui arrivé dans, ma, dans, dans ma carrière. Moi, quand j'ai eu des bons résultats sportifs, et je ne vais pas m'en mentir, j'ai aussi bénéficié de l'environnement dans lequel je me trouvais à l'instant T. Je vais te le dire autrement, comme ça tu vas bien comprendre. Dans mon cas, l'année où je suis allé au Championnat du Monde, c'était l'année des JO. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que les gros, ils n'étaient pas au Championnat du Monde. Ils étaient où Ils étaient au JO. Tu comprends le truc, le délire Et c'est ça, en fait. En attendant, tu as des mecs qui disent, oh ben, je suis allé au champion du monde. Voilà, c'est tout. On peut dire ce qu'on veut. Les vrais sportifs disent, oh oui, mais Nicolas il est allé, mais pas dans l'Orecad. Ils vont te sortir plein de... Mais ils ont raison. Mais j'y suis quand même allé, peu importe. Voilà. Et c'est pareil, c'est ça ce jeu-là que tu joues, en fait. Tu, 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 tu vas prendre un mec qui va dire, je suis champion du monde de je ne sais quelle discipline. Mais s'ils sont que trois, ben, bien sûr qu'il est champion du monde. Mais en attendant, tu l'as fait, toi Eh bien non, ben, lui, il l'a fait. Terminé. Il n'y a rien à ajouter. Tu joues à ce jeu-là. À la finance, pareil. Warren Buffett, je suis désolé, c'est le seul à l'avoir fait. Mais il était seul à le faire. Si tu y réfléchis, on n'a plus qu'à le faire, les mecs. Voilà une méga stratégie. Voilà pourquoi tu es là entre midi et deux. J'ai fait mon Laïus. Je lis vos questions. On peut tout trouver, mais il faut quand même bien filtrer, je pense. Ouais, quand c'est clair. <laughs> c'est clair. Alors, je lis les questions. Non, pas encore ça. Ça, c'est ce que tu dis, Dups, mais je n'ai pas tout lu. Hmm. C'est un autre étudiant qui balance sur les méthodes de Vaudan chez Cabage. C'est tout frais, ça date d'hier et d'avant-hier. Ah bon Je vais pas regarder. Je vais vous dire la vérité, les mecs. Je viens faire le live, je vais être avec vous. Je les prépare même plus les lives parce que, parce que j'ai pas le temps. Je suis dans mon projet, j'ai un associé qui va rentrer avec nous, on est en train de tout mettre en place. Enfin, je suis dans mon délire d'immobilier total. Là. Donc je suis dans mes projets complets. Je vais être franc avec vous, je suis, je suis débranché du web, mais total. J'ai l'impression que tous ces gens n'existent pas. Euh, donc, euh, ouais, Donc je vais aller regarder ça. Euh, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller regarder ça. Je ne euh, sais pas ce qui s'est passé. Il faut, faut que j'aille voir ce que c'est. Bon, je regarderai, on n'en reparlera pas parce que j'aime pas parler des autres. Euh, moi, je vais vous dire juste ce que je pense de l'extérieur. Je pense que de toute façon, euh, le monde du web, euh, ben tu vois, la, tiens, la dernière fois, il y a un mec qui m'a fait un commentaire, qui m'a dit, euh, je ne sais plus à quel endroit. Le gars m'a dit oui, il euh, faut être débile pour acheter des programmes euh, euh, en ligne parce que le gratuit suffit largement. Moi, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense qu'à un moment donné, euh, si tu veux des résultats, il faut payer. Voilà. Donc, euh, les mecs en gratuit. Euh, euh, je ne vais pas parler des, des gens du web, de la finance et de l'immobilier. Je vais vous parler des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Je vais vous parler des mecs comme eux, euh, Dieu donné, euh, comment ils s'appellent, euh, euh, les, les, les gens là de la... De, je ne sais plus comment ils se font appeler sur Internet, là, cette, cette, ce, ce mouvement euh, un peu trouble. Et ce mouvement n'arrête pas de dire en permanence, on m'a supprimé ma chaîne YouTube. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai euh, par rapport à, à des musiques que je peux mettre, j'ai souvent des, des, des notifications où on me dit, euh, euh, tu as des, comment on appelle, euh, tu sais, des, des droits d'auteur. Donc tu aujourd'hui YouTube te propose de régler le problème. Bref, vous allez comprendre où je veux en venir. Ça n'existe pas le fait qu'on supprime une chaîne YouTube. Ça n'existe pas. Et la dernière fois, j'ai parlé avec un YouTuber euh, en, en off qui me disait, la suppression de chaîne YouTube, c'est un business. C'est-à-dire que c'est une manipulation qui permet de récupérer de l'abonné. Voilà, je vous le dis, c'est clair, c'est net. Voilà. Après, vous pouvez pas ne pas me croire. et Il y aura des mecs qui vont arriver sur cette vidéo. Ah Nicolas, tu racontes de la merde. Si tu veux, je m'en fous. Libre à chacun de croire ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est de la manipulation pure et simple. C'est mon avis personnel. C'est d'ailleurs très intelligent parce que tu ressoudes ta communauté autour de toi. Si tu y réfléchis deux secondes, tu verras que ce que je dis, c'est pas de la connerie. Bref, on en vient au propos du ce que tu es en train de me donner devant les yeux. Euh, pour moi, tout ça, c'est de la pub. Voilà. Même si c'est vrai, même si il y a un fond de vrai, même si c'est faux d'ailleurs, peu importe, on s'en fout de ce qu'il y a derrière. C'est de la pub. Les clashs, les machins, les trucs, c'est de la pub. C'est tout. Voilà. On parle d'eux en attendant. En attendant, t'es là, dupe, c'est tu me parles de qu'est-ce que toi, tu as à gagner à regarder ça Rien. Euh, qu'est-ce que. Euh, qui qui gagne quelque chose dans cette histoire Les gens qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ma vision des choses. Donc, c'est vrai que je suis très déconnecté. Je reconnais que en ce moment tellement de, de trucs sur le feu que j'arrive plus à tout gérer j je prends des rendez-vous pour déléguer de plus en plus parce que je n'y arrive pas, bref j'ai fini mon laïus donc d'ups, personnellement je ne sais pas euh, ce que voilà, je ne sais pas ce que vaut les formations de l'un et de l'autre j'ai déjà rencontré personnellement monsieur Vaudan Voilà, moi personnellement ça s'était bien passé mais je l'ai rencontré dans un cadre extérieur à son école extérieur à ses formations, je n'ai rien à dire sur le sujet, voilà c'est tout après j'ai envie de te dire c'est leur problème Gabi, que penses-tu des ETF Gabi, j'aime vraiment tes questions parce qu'elles sont très pertinentes. Alors, les ETF, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, je ne veux pas dire de conneries, je vais quand même le taper pour être sûr. C'est les X-Trade Exchange, c'est normalement tout ce qui est. Euh, je viens de le taper en même temps, mais je n'ai pas encore lu. C'est tout ce qui est euh, tu sais, sur les indices. Hein. Alors, je vais le lire quand même, également appelé Tracker en fond indiciels, qui cherche à suivre le plus finalement possible l'évolution d'un indice boursier à la hausse comme à la bête. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, l'ETF, en gros, ce sont des fonds d'investissement émis par des, soci des sociétés de gestion agréées. Donc, en gros, ce sont des... Si tu me corrigeras si je me trompe, Gabi. Moi, c'est ce que je pense, ce que j'en je, sais, en tout cas. C'est, en gros, tu, euh, pas, tu paries parce que je n'aime pas bien employer. On, on dirait qu'on on joue à un jeu. Tu prédis... Non, je ne trouve pas de termes qui me conviennent. En gros, tu essayes d'anticiper le marché. Tu vas essayer de dire, par exemple, le marché va, va monter. Tu vas mettre de l'argent là-dessus. Et du coup, tu vas gagner ou perdre de l'argent si tu as ton pronostic colle à la hausse ou colle à la baisse. Bon, moi, je vais te dire, Gaby, je n'achète rien de tout ça. Moi, j'ai un grand principe de base, les gars. Je ne donne jamais de l'argent contre rien. Moi, soit j'achète des actions d'entreprise directement, soit j'achète des actions d'entreprise directement, et c'est tout. <laughs> tout le reste, pour moi, ça n'existe pas. C'est des machines de gens qui, pour moi, dans ma tête, c'est des gens qui se sont fait des nœuds au cerveau pour te vendre un truc. C'est eux qui encaissent. Voilà. Alors, après, je ne dis pas qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Je sais que les ETF ça marche, comme le tracker qui, je te le rappelle, c'est pour le Forex, pardon, je veux pas le tracker, le Forex, comme les Forex, le Forex qui est te, la, la spéculation sur la monnaie. Mais pareil, tu vois, je vais vous donner un, un petit truc euh, tout bête. Moi, je préfère acheter une action ou une part d'entreprise dans une société étrangère et avec l'argent gagné sur cette société qui va me payer, par exemple, je vous dis une connerie en dollars, me servir du change à mon avantage pour aller acheter une action sur une autre société dans un autre pays, plutôt que de miser sur le forex. Mais après, voilà, on a tous des stratégies différentes. Moi, je vais jouer avec la monnaie sur les, la manière dont je suis payé, mais je ne jouerai pas, euh, je n'aime pas le terme non plus, je n'investirai pas pardon, sur du forex. Pareil. Mais pareil, je n'ai pas raison, les mecs. Je connais plein de gens qui gagnent de l'argent avec le forex. Chacun son métier. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment mon avis personnel euh, parce que bon voilà, je, je, si vous voulez à un moment donné cette société que moi j'ai fin financière, elle demande fin, selon comment je vais l'alimenter. Par exemple, comme dit Gabi avec des ETF, mon intervention ne sera plus la même. Moi, j'ai élaboré un système qui me permet. De, bon, je ne fais pas, si je vais être honnête avec vous, je ne fais que la moitié du travail puisque je ne vais pas aux assemblées. Je devrais y aller. À un moment donné, j'y allais, là j'ai plus le temps. Là j'en ai une d'ailleurs, tu vois, je l'ai même noté, j'ai reçu les papiers le 27 juillet, je crois, il faudrait que j'y aille. Mais bon, bref, non pas le 27, c'est un dimanche. Je ne sais plus quel jour. J'ai une assemblée, là, il faut que j'y aille. Bon, bref, c'est la seule chose que je ne fais pas. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mon délire. Nicolas, que penses-tu des trackers Alors ben, c'est la même chose pour moi. Alors, pareil, je vais pas te dire de conneries parce que les trackers, à chaque fois, les trackers... Je vais taper, parce que je ne veux pas te dire de conneries, je savais ce que c'était précisément. Mais je j'aime pas dire des bêtises, surtout quand j'ai un doute. Trackers, trackers, pour que tout le monde ait un, un indice tracker, un fonds indiciel côté est un type de fonds négocié en bourse ETF et produit un indice boursier, voilà, c'est ça. C'est en gros, en France, un fonds généré par des organismes de placement collectif en valeur mobilière, voilà, les OPCVM, hein. c'est ça. Ben moi, pareil, je ne suis pas fan, en fait. Non, pareil, Vont me corriger, si je me trompe, pour moi, les trackers, c'est des... C'est comme si quand tu prends le quand tu vas acheter le 440 en fait. Voilà, tu te dis je prends le 440, 40, tu t'achètes un ensemble de trucs. Mais comme moi je préfère acheter directement, même combat. Vous pouvez me poser à chaque fois des questions sur chaque, chaque sujet. Je suis quelqu'un qui préfère être bon en action que euh, moyen dans tout le reste. Donc je vais choisir d'être spécialisé sur l'achat d'actions et pas m'embêter avec le reste. Le reste pour moi, je vais pas dire que ça n'existe pas. Tu vois voilà, je vais avoir des échanges avec vous là-dessus. Mais euh, je serais incapable, tu vas me mettre devant des quotations de trackers, des quotations euh, d'OPCVM, de etc. Ça ne voudra rien dire. Alors que tu vas me parler d'action, là, ça me parle. Je sais ce que j'achète. En fait, le problème, c'est ça. C'est que je sais ce que j'achète. Je sais ce que j'achète. Je sais comment je l'achète. Je sais pourquoi je l'achète. Et je sais dans quelles conditions je le revendrai éventuellement si je dois le revendre. Mais je n'envisage pas de le revendre. Mais tu vois, toute cette chaîne que je viens de te donner là, je suis incapable de te la donner pour les trackers, le Forex, le machin, le truc, le billet, tout ce que tu peux me nommer. Et donc voilà fatalement bah tu comprends pourquoi j'y vais pas. Voilà. Warren a rentré Amazon et Apple que pour 800 millions, toute petite ligne pour lui. Ouais mais tu vois, tu viens de le dire. C'est-à-dire que euh, il est allé sur l'équivalent de deux blue chips. et encore Apple, tu vois. Moi, j'y serais pas allé, je dis pas qu'il a eu tort, mais je dis pas qu'il a eu raison. <laughs> Alors, Cabage a dénoncé le système d'affiliation avec les brokers. Vaudan a eu peur pour son business et il a répliqué "Oh là là, mais les gars, moi, je... Le combat a repris de plus belle. <laughs> mais je suis pas là pour parler des autres, les gars. Eh, hey, les gars, il faut faire un match de boxe. <laughs> je veux bien être arbitre. <laughs> moi, j'en ai fait de la boxe. Tout à fait d'accord avec toi. Les ETF sont des paniers de valeurs qui répliquent l'indice. Ouais, ben, bah, ouais, 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 voilà, tu vois. Ouais, c'est pas rentable." Comment supprimer les intermédiaires Ah Gabi, bah, tu prends mon programme euh, Wall Street et tu verras j'explique comment je fais. <laughs> Moi, je n'ai aucun intermédiaire, je déteste ça. Tu les liquides comme dans le film Léon. <laughs> Greg. Eh. Alors, Dupes, euh, euh, Gabi, Greg a raison. Et, 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 tu vas voir, c'est encore le plus simple. Hein, ou sinon, tu utilises le, le, le bitcoin, le tueur d'intermédiaires. Comment. comment euh, elle elle signe, compte titre et tu achètes les actions directement. Apple, j'irai peut-être dans moins 60%, me dit Benoît. Apple, euh, Apple si tu veux, bon, pour l'instant, il garde un bon cap, moi, je trouve, globalement. C'est moins l'écart, le les gars. Il va falloir que j'aille, il faut pas que je sois en retard. Apple, il garde un bon cap, globalement. Mais c'est vrai que, euh, bon, je dirais que c'est quand même. Qu'est-ce que j'allais dire pour Apple Je dirais que je suis quand même dubitatif de la suite. Je reste dans l'attente de voir ce qui va se passer. Quentin nous dit c'est la première fois que je vois une embrouille pareille sur le web, ça devient ridicule leur clash par vidéo interposée. Bah c'est vrai que bon après le c'est de discuter mais c'est peut-être parfois compliqué. Hein. C'est vrai que quand, quand tu… salut Damir, j'espère que ça. Va. Euh... Moi je, moi je, ouais là tu bon pour les altercations. Le problème, le problème si tu veux c'est que dans la finance, je vais vous dire, je... on va conclure avec ça. Euh, je peux. Pas vous les montrer, comment je pourrais faire pour vous le montrer euh, La finance, c'est ce qui rapporte le plus. Et j'en ai pour preuve, moi, ça m'a toujours fait halluciner. Il y a plein de YouTubeurs qui ont fait des vidéos sur le rapport du, de la pub, euh, du nombre de vues, tu sais, que tu encaisses, t je sais pas quoi. Moi, sur ma chaîne, les mecs, je suis à 1$ par vue. Hein. Je ne peux pas vous le montrer, mais je suis pas loin à, je, par 1000 vues, pardon. Pour tous les 1000 vues, je touche 1$. dollar faudrait que je re-regarde, mais c'est ça, parce que c'est là que tu vois que quand tu es dans la finance, tu touches un peu plus que dans les autres mar marchés, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est juste ouf, en fait. Tu te dis, mais ouais, en fait, euh, en fait le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il y a de l'argent. Et quand vous me dites qu'il y a des clashs, etc., et ben, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de… Je pense, après, moi, je veux pas parler pour eux. Je, je... Voilà, c'est toujours embêtant pour moi de voir, euh, de voir deux personnes qui se, qui se rentrent dedans comme ça. C'est dommage. Dommage surtout que tu pourrais discuter. Enfin, après, c'est compliqué. Tu as des gens que tu ne peux vraiment pas blairer, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Benoît dit à Dupes que c'est survalorisé et il lui dit d'acheter du I.O.I.A. Alors Benoît, écoute personnellement, bon, j'achèterai quand même du Apple, tu vois, j'ai rien contre I.O.I.A. là, mais mais voilà après faut faut voilà après moi je respecte, je comprends Dupes, je vais prendre sa défense parce que je pourrais pas acheter le produit d'une entreprise que je consomme pas, tu vois. Moi là, je n'achète pas. Après, tu es peut-être consommateur et dans ces cas-là, tu en as, tu vois, c'est. Si toi tu en as parce que tu es consommateur, c'est logique et pour moi ça sera sain. Mais si tu n'en as pas et que tu achètes juste en attendant la montée, pour moi il y a un problème. tu vois. Je suis vraiment dans la logique consommateur du produit pour acheter les les, les, les comment on appelle les, les parts de la société. Salut tout le monde, quand on trouve une action à dividende, quel est ton avis sur les actions à dividende Alors mon avis sur les actions à dividende, c'est qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il faut manager les deux il faut de l'action spéculative. L'action à dividende pour équilibrer la, la, la chose. Euh, comment trouver des actions à dividende Et ben, Tu les recherches sur tous les sites les plus connus. En fait, ils vont t'indiquer s'il y a des dividendes ou pas. Voilà. Salut Nicolas, salut Geoffrey, j'espère que ça va. Pratiques-tu le private equity ou investis-tu que dans des sociétés cotées Non, je ne fais pas du private equity parce que euh, pour l'instant, c'est pareil si tu veux. Alors, il y a plusieurs. Il faut savoir que dans le private equity, dans, l dans bon, plus généralement, on va appeler ça du business angel, même si c'est un raccourci un peu euh, vulgaire, dans tout ce qui est investissement euh, dans des sociétés encore où tu es encore plus intimistes où la société n'est pas forcément cotée. Donc, il y a plusieurs façons de procéder, et j'aurais tendance à choisir l'option où je vais m'investir dans la boîte. Et aujourd'hui, c'est clairement pas possible pour moi. Je ne suis, ben voilà, j'ai déjà assez de travail de mon côté, et je ne pourrais pas tout faire, quoi. J'ai compris qu'il fallait me vendre moi. <laughs> c'est pour ça que t'as mis 10 millions. <laughs> c'est le cas, Nico. Technologiquement, c'est plutôt fort. C'est plus fort qu'Apple et moins cher. Et ouais, mais Benoît, le prix n'a rien à voir. Quand tu achètes Apple, tu n'achètes pas que le prix. Ça, c'est compliqué à comprendre. Les consommateurs d'Apple, ils achètent un ensemble de choses. C'est ouf, en fait, mais je comprends, mais je comprends ton argumentaire. Mais aujourd'hui, Huawei, hein, là, c'est pas mon délire. Je suis pas, voilà, ils ne me touchent pas encore. Apple me touche. Voilà. Et tant qu'ils n'auront pas Réussi ça, ben voilà, il faut qu'ils y arrivent, mais c'est possible. Hein Grand débat, qui va le plus vite, investisseur immobilier ou boursier Eh <laughs> Gabi, là tu mets la pièce avant que je me barre. Putain, mais sujet d'émission d'hier. Bah écoute, euh... ah, c'est chaud, je vais me tirer une balle dans le pied, mais au moins vous allez voir que je suis honnête. Je pense très sincèrement que l'investisseur boursier va plus vite que l'investisseur immobilier. Je parle alors. Attention, je ne vais pas me faire des amis et en plus, je veux tirer une balle dans le pied. Mais on va dire que je parle, pure, je parle purement de l'investisseur. On est bien d'accord, je compte se mettre d'accord. Donc, vous oubliez la location saisonnière, vous oubliez le marchand de biens, vous oubliez les stratégies « what the fuck » en immobilier qui permettent effectivement euh, des, des, des choses, mais où on s'expose. Se mais pour moi, euh, l'investisseur boursier va plus vite, mais il y a un bémol. Important que à préciser, un bémol qui est pour moi essentiel. Le bémol, c'est que le problème de l'investisseur boursier, c'est qu'il faut qu'il ait un capital pour aller vite, que j'estime à minimum 50 000 euros. Pour vraiment aller vite, je l'estime à minimum 100 000 euros. Et là, on commence à taper dans du gras. Donc, la clé ne serait-elle pas de faire ces 100 premiers 1000 euros qu'on peut perdre Donc, ça, c'est encore un autre problème, mais qu'on peut perdre en immobilier pour les mettre en bourse, pour duper, dumper. Doper, je vais y arriver, pour doper la courbe de croissance. Réflexion personnelle sur l'instant, mais qui me paraît judicieuse parce que la bourse, avec ses soubresauts, ses aléas, ses chutes, ses variations imprédictibles, te permettra toujours une vitesse d'exécution plus rapide, parce que, parce que plus liquide que l'immobilier. Donc, fatalement, euh, la rapidité, elle, pour moi, elle penche clairement, et tu n'as qu'à le voir avec monsieur, sur les marchés financiers. Mais, mais, malgré tout, il faut un capital de base. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très marrant ce que tu es en train de me demander. Buffett, il a commencé, faut quand même, rappelez-vous bien, il était mineur, il a acheté une ferme, il a tiré un capital, et c'est avec ça, entre autres choses, parce qu'il avait du capital aussi de ses placements à côté, qu'il a tiré de l'argent pour, pour avoir une mise de fonds. Donc de toute façon, il faut se générer cette mise de fonds. La manière, importe peu, il te la faut. 100 000 balles. Une fois que tu les as, la bourse ira toujours plus vite que l'immobilier. Je pense que j'ai répondu à la question. Ça vous montre que je suis un mec un peu honnête. Malgré tout, si vous voulez gagner vos 100 000 euros, il vous faut prendre le programme, diviser, acheter, revendre, puisque je vous montre comment, au bout de la deuxième opération, dégager 170 000 euros. Donc, tu vois le truc. Je dis ça, je dis rien. Je peux, peux me vendre un peu, non, quand même. Hein bon alors. <laughs> en prix d'achat, tel. Un peu Addict, <laughs> Ouais, bah, moi aussi, dupes. Quelles sont les démarches pour acheter des actions dans des entreprises comme des startups, etc., et recevoir des dividendes car la bourse ne m'intéresse pas wow, Alors là, Lianis, écoute, je vais te dire la vérité, laisse tomber. En fait, si tu veux avoir des dividendes, tu veux être payé sur fonds de dividendes sans avoir à t'en occuper, il n'y a que la bourse, mec. Ce que tu demandes, c'est que c'est ta boîte. Enfin, voilà. Après, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis qu'après, il faut enfin, je sais pas ce que tu enfin, voilà, aies beaucoup d'argent. quoi. Je, beaucoup, beaucoup beaucoup, 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 beaucoup. On ne parle pas de 1 ou 2 millions d'euros. T'as pas d'argent. 10 millions, t'as pas d'argent avec 10 millions d'euros. Voilà, on parle de plus. Je pense qu'il faut que tu un petit capital de 100 millions à investir. J'espère que je me trompe, mais je ne pense pas que ce soit ton cas. Je, je suis désolé si tu les as et que je t'ai vexé. J'ai eu les premiers Macs de couleur. Ah ouais, j'espère que tu les as gardés, mec. La bourse, c'est mon casse-couille, locataire. C'est clair. <laughs> J'avais dit, je n'ai plus de gros mots. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est du. Et je l'ai lu. Bêtement, Apple c'est hype, mais technologiquement parlant, ça fait doubler, ça, ça se fait doubler par euh, iowa, ouais, vend déjà plus que Apple. Certes, il reste Apple l'image et la primeur, mais contrairement à Coca, ils vont se faire dépasser. Benoît, ce que j'ai appris en lisant tes prédictions, c'est que tu n'es pas Macintosh, mais je tu ne connais pas l'avenir et je ne connais pas l'avenir. Donc l'avenir nous le dira. Peu m'importe le broderage, tant, qu tant que l'ivresse est bonne. Merci Grégoire. 13h52, les gars, j'ai kiffé faire cette émission avec vous. Euh, je vais regarder euh, si j'ai le temps. Là, j'ai un trajet à faire. Je vais regarder. Euh, euh, je vais essayer de regarder le clash, si ça même si ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est triste, je trouve ça dommage, les gars. Amour et paix pour l'éternité sur la planète Terre. <laughs> Investissez en bourse, les mecs. Alors, faites-le à votre échelle, mais faites-le. Une action, ça coûte euh, 15 balles, 20 balles. C'est quoi? Je veux dire, prends le réflexe tous les mois de le faire. Fais-le. Fais-le pour moi si tu ne le fais pas pour toi. Et tu me remercieras comme ça. Tu diras Putain, je n'ai pas écouté ces émissions pour rien, C'est abruti. Il euh, y a des pénistocs, les gars, à moins de 1 euro l'action. Alors là, bon, tu me diras pff, tu, as rien, tu peux ne rien gagner. Hein. C'est sûr que là, je ne te donne pas le meilleur conseil de la Terre. Mais voilà, il y a des pénistocs. Si vraiment tu n'as pas d'argent, tu payes un café, non Alors un jour, au lieu de te payer un café, paye-toi une pénistoc. Au pire, si elle vaut 10 euros, tu t'en payeras 10 et tu me remercieras. Mais investissez en bourse. Qui que tu sois et qui écoute cette émission, c'est comme une bouteille à la mer avec un petit gars qui te dit fais-le. Tu me remercieras un jour. Et ça t'apprendra des choses. Et le peu que ça t'apprendra, ça sera acquis et ça aura une valeur. Voilà. Moi, je suis pour l'investissement dans la finance parce que ça apprend plein de choses au demeurant, même si on ne gagne pas d'argent. Donc, après, investissez à la hauteur de ce que vous pouvez. Essayez d'en gagner. C'est le jeu auquel on joue. Mais faites-le. Voilà. Apple va répliquer et adieu ouais ouais. <laughs> Tout à fait Nico, juste des prédictions. On verra à la suite. Les gars, bonne journée à tous. On revient demain. Je vous raconterai un peu des histoires immobilières. Je vous montrerai peut-être mon dossier si je pense que j'en ferai un double. Voilà. Ciao Facebook, bon après-midi. Ciao à Instagram. On se revoit demain. Ah non, demain je ne suis pas là. Mais J'ai J'avais oublié, demain je ne suis pas là. J'ai un repas. Donc on se revoit vendredi. Bon, mais Facebook, il ne le saura pas. C'est pas grave. On se voit vendredi les mecs. J'avais complètement zappé demain. J'ai un repas d'affaires. Et j'ai pas le choix que d'y aller. Donc on se voit vendredi entre midi et deux. Bon après-midi les, les loulous. Et à vendredi. Ciao la famille. Ciao ciao. À vendredi. C'est permis.